Les 7 Dragon Ball. Bon, eh ben on y va. Alors, c'est comment déjà? Ah oui. Dragon sacré, apparaît, exauce mon souhait. Oh, Bois 2. Oh, Bois 2. Ça va? Bah, tranquille. Bah ouais, ça va. Bah, qu'est-ce que tu veux bien, hein? Comment ça se fait? Ah oui, j'ai trouvé un petit intérim. Je remplace Shenron, là, pour une durée indéterminée. Il est parti en congé. Ah, bon, je te cache pas que je suis un peu perdu à rien foutre. Hein. Ouais, mais bah c'est cool. C'est pas souvent qu'on appelle Shenron, hein, du coup. Bah ouais, c'est tranquille ça, c'est bien payé. Ouais, franchement. Ouais. On se la met bien. Bon. Tu voulais quoi? Ouais, bah attends. Parce que je dois faire ton vœu. Vas-y. Alors, hé, si ça te dérange pas. Hein. Non, vas-y, je suis chaud. Ok, alors si c'est possible, du coup, j'aimerais une grosse. Une énorme. Frite. Ah, une grande portion de frites. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Ok, c'est parti. Ah, il fait pas ça, Shenron. I know Superman. Salut, c'est Bois 1. Et Bois 2. On est sur une balançoire tranquille, dehors. Au calme. Pour parler de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, le manga. Le manga. Et oui, de Akira Toriyama au scénario. Comme et de tirer les abatteurs, le manga papier. Le manga papier. Et Toyotaro au dessin. Toyotaro. Et là, vous nous voyez venir. Et vous voyez venir, ça veut rien dire. Vous vous dites que ça y est, on va dire que c'est de la merde, comme les deux vidéos d'avant. C'est de la merde, c'est de la grosse merde. Comment vous pouvez continuer à regarder ça? Dragon Ball Super, c'est toujours de la merde. Mais ouais et tout. Et ouais, bah déjà, ce que je peux vous dire maintenant, maintenant tout de suite, ouais. C'est que c'est bien mieux que l'animé. Mais attention, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que c'est bien tout court? Et moi j'ai envie de te dire que contrairement à l'animé, cette fois-ci c'est vraiment super. Et bah ton avis est déjà bien tranché, j'ai l'impression, Bois 2. Fin de cette vidéo, voilà. Pour toi, tu peux y aller. Merci. Et voilà. Et bah justement, Bois 2, comme tu as l'air de dire que c'est super, je te laisse commencer avec une petite explication de ce manga. Quelle est la différence avec l'animé? Comment ça a été produit? Tout à fait. Et rapidement, vite fait, je t'aiderai un petit synopsis parce que de toute façon, bah, on le connaît. Déjà, il faut savoir que Akira Toriyama envoie et écrit le scénario à la. Il l'envoie après à la Toei Animation et après il l'envoie aussi à Toyotaro, le dessinateur, qui sont tous les deux, donc la Toei et Toyotaro, libres d'adapter le script un peu à leur sauce. Sachant que Akira Toriyama apparemment aime bien Toyotaro et le laisse un peu faire la mise en page qu'il veut, gérer le truc. Il le laisse un peu libre, mais la Toei aussi est un peu libre d'adapter le scénario. Comme vous avez pu le voir dans plein d'épisodes. Ouais. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que le scénario, c'est Akira Toriyama dans les deux cas. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes et le design des personnages. Puis Toei adapte et Toyotaro aussi à leur façon. Ils font leur petite sauce tant que ça respecte le scénario de base de Akira. Et donc comme on a dit au début, il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre. Forcément les deux sont différents. Maintenant vous savez comment ça fait. C'est chez Glénat. D'ailleurs, bah du coup, comme tu parles de l'édition, ouais. Et ben, faisons un petit point sur l'édition, un petit truc. C'est l'édition tout pourri. C'est voilà qui me chiffonne, c'est qu'on est sur une édition tout pourri. Tout pourri. Alors que Glénat a sorti l'édition perfecte de Dragon Ball, magnifique, avec une nouvelle mise en page, la vraie mise en page, des traductions refaites, des pages en couleur, qui est super. Donc cette édition perfecte. Voilà, si vous êtes fan de Dragon Ball, il faut acheter cette édition qui est géniale. Et donc là, qu'est-ce que ça leur coûtait de faire la même chose avec une belle édition? Dragon Ball Super, pour que quand t'as ta collection de Dragon Ball Perfect, tu puisses mettre derrière, avec pareil couverture rouge et tout, l'édition Dragon Ball Super, pour que ça suive quoi. Mais à mon avis, dans quelques temps, quelques années, on aura une vraie édition qui va sortir si ça marche. Oui, comme de par hasard, tout ça pour se faire plein de pognon, hein. Évidemment. Et en plus, on l'achètera, c'est ça le pire. Ce premier tome, vous le savez chez vous. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça, il reprend les deux premiers films, donc Battle of God et la résurrection de Freezer. De Freezer, plus le tournoi 6, univers 6 contre univers 7, voilà. Le début de ce tournoi. Donc entre deux, l'entraînement de Son Goku et Vegeta, qui est plutôt
intéressant. Et c'est tout. Et c'est beaucoup. Mais c'est énorme. Et oui, et c'est là. Ce qu'on aurait pu craindre, c'est qu'on connaît tous l'arc Beerus et Résurrection de Freezer parce qu'on a vu les films et qu'on s'est tapé les 40 premiers épisodes tout pourris de Dragon Ball Super qui sont chiants à crever. Et donc là, ça faisait chier d'acheter le tome 1 et de se dire « Merde, je vais me retaper une histoire que j'ai vue deux fois, une fois en bien animé et en potable et en intéressant. » Enfin, les films... Et ben non. Et une fois en merdique de 20 épisodes tant mieux. Dans la série, et là tu te dis putain, j'ai acheté que le premier tome juste pour me taper ça. Et ben non, en fait c'est rushé. À la moitié du manga, c'est fini ça. Donc Beerus et Freezer, c'est bon, c'est torché. Et en plus, bah Freezer c'est vraiment torché, c'est torché au détour d'une page. En mode, il y a Freezer qui est revenu, ils l'ont buté, voilà. LOL. Si vous voulez plus d'informations, veuillez le reporter au film ou à l'animé. Merci, ça. Au revoir. Par contre, Beerus, l'arc, il est traité quand même dans son intégralité, mais assez vite. Assez vite, et avec pourtant, quelques libertés, dont Vegeta, qui ne fait pas le bingo. Qui ne fait pas la danse du bingo. Bingo! Et alors, tant mieux. Et en même temps, tant pis. Et en même temps, dommage. Au final, c'était devenu... C'était devenu drôle. C'était devenu un mème, c'était devenu drôle. Et ça, j'aime bien. Toyotaro se permet au détour de deux... Entre un chapitre. Voilà, des interchapitres, là, les pages. Se permet de faire... Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à ce passage du film où on voit Vegeta danser le bingo devant la télé et dire « Ah, j'adore le bingo !» Et ensuite, dans un autre intertitre, interchapitre, je sais plus comment on appelle ça, on le voit en train de dire « Ah non, j'ai même pas eu le temps de danser !» Comme c'est très drôle. Entre un interchapitre, on voit aussi celui qui a résurrectionné Freezer, je sais plus comment il s'appelle. Si, c'est glace c'est à la crème. Glace, ouais, c'est glace à la crème, c'est pistache fraise, c'est vanille chocolat, je sais plus. Ouais, c'est un nom pourri. Sorbet. Sorbet. C'est sorbet. Du coup, on n'y est pas du tout. Du coup, Sorbet, on voit Sorbet et un autre de ces mecs en train de dire « Eh, mais on s'est pas fait zapper !» Je trouvais ça plutôt sympa. Bah, il pleure même, je crois qu'il pleure. Ouais, je crois qu'il chiale. Donc, Toyotaro s'amuse avec ses deux premiers films qui ont aussi été faits en animé. Du coup, lui-même, toi-même, tu sais, et lui aussi, savait qu'il ne fallait pas en faire des caisses et tout raconter parce que ça déjà, les fans ont déjà vu ça deux fois. Donc, ça allait être redondant. Donc, il s'est amusé, il a adapté, il a rushé. Et en fait, je trouve que c'était mieux. Il l'a mieux fait. Il l'a mieux fait et plus rapidement. Et en plus, il y a plus de détails. Et il y a plus de... Ouais, pas forcément de détails, mais il y a moins d'incohérences, en fait, du coup. Parce qu'il est très précis sur ce qui s'est passé. Et voilà. Et en même temps, c'était important de le faire. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ils auraient carrément dû pas le faire, comme Freezer. Hein. Mais l'arc Beerus, Battle of God, était quand même très important. Parce qu'il introduit Beerus et Whis, qui par la suite sont des personnages ultra importants. Il introduit aussi le Super Saiyan Blue. Le Super Saiyan Blue, il a introduit pendant leur entraînement. C'est le Super Saiyan God qui a introduit... God et Blue sont introduits dans cette première partie, puis Univers 6 et 7. Et là, pareil, c'est un peu rushé, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mieux. Oui, c'est mieux. C'est plus concis, mieux expliqué. Moins incohérent. Donc, moins d'incohérence. Et en fait, il y a juste moins de trucs aux F entre les deux, quoi. Il suit le scénario d'Akira Toriyama. Il fait pas de petites fioritures, de petits machins, de « Eh, il y a des braconniers qui viennent voir des animaux. » Et puisque ça, c'était l'épisode d'aujourd'hui. C'est l'épisode qu'on c'était a vu aujourd'hui. Tout pourri. Alors celui-là, j'adore le nouvel arc. Ouais, petite parenthèse sur le nouvel arc. On adore le nouvel arc. Et là, franchement, là, pour le coup, on fera une vidéo à la fin. Par contre, cet épisode-là... Non. Non, on les dirait gars. Dora l'exploratrice et Babouche qui vont... C'était pourri. qui vont sauver les animaux. Arrêtez, les gars. Bref, parlons du dessin. Le dessin de Toyotaro est, ma foi, très bon. Toyotaro est très doué. C'est un très bon copieur. C'est un très bon copieur de style. Tout à fait. On verrait pas la différence avec, pour moi, c'est vraiment du style Akira Toriyama, Sagabu. Ouais, fin Akira Toriyama. Et dans certains personnages un peu plus ronds, un peu plus enfantins, on retrouve le côté Akira Toriyama du début. Et c'est pour ça que Akira Toriyama a bien fait de le choisir, parce qu'il l'a choisi pour faire cette suite. Son car apprenti. C'était son apprenti, c'était le meilleur. Et la classe. Voilà. En plus, le monsieur Toyotaro est très modeste au début du bouquin. Il fait un petit édito. Il fait un petit comme édito. Tous les mangas, en fait. Où il dit. Déjà, il appelle Toriyama maître. Bon, ça, c'est japonais et tout ça, mais quand même. Où il dit que lui, il est passé du stade Satan
au stade Yamcha en termes de dessin niveau Akira Toriyama. Donc le mec est quand même très modeste, il dit qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre du maître Toriyama. Et à la fin du manga par contre il y a aussi un petit bonus où Akira Toriyama et Toyotaro sont interviewés à deux par un journaliste et les deux se renvoient la balle. Hein. Genre, Toyotaro dit oui, mais j'ai beaucoup copié vos plans parce que vos plans de bataille, par exemple, étaient super bien, vos poses de combat et tout, je copie des fois plan par plan. Et Akira Toriyama, mais non, t'es trop modeste, tu fais des trucs hyper dynamiques que même moi je saurais pas faire aujourd'hui. Non, il a dit, je crois qu'il dit, je sais, ouais, je saurais plus faire. Ouais, ouais, plus faire. Le mec est très modeste, on sait pas trop alors. Et en plus, Akira Toriyama le suce en disant, mais non, arrête, t'es super bon. Et lui, il continue à dire, arrêtez, non, c'est bon, attendez, je vous arrive pas à la cheville. Voir le maître et le disciple s'auto-sucer. Ils sont en accord, quoi. Voilà, c'est beau. Enfin, pas s'auto-sucer, se sucer, en fait. Et pour revenir sur notre plus positive, sans foutage de gueule... Là, c'est positif. Toyotaro, on sent qu'il aime profondément Dragon Ball et Akira Toriyama, et qu'il fait ça avec la plus grande passion du monde, contrairement à la Toei. Voilà, bim, qu'est-ce que tu vas faire, la Toei ? Donc si vous voulez pas vous taper 40 épisodes de Dragon Ball Super et que vous avez toujours pas vu, et que vous hésitez à vous y mettre, mettez-vous au manga. C'est bien mieux. Et je voudrais pas dire c'est moins cher, parce que toi-même tu sais. Voilà, ça c'est Dragon Ball, ça c'est Dragon Ball Super. Ça c'est le Dragon Ball qu'on veut. Voilà, likez, partagez pour prouver à tous les autres que je suis pas qu'un connard qui déteste Dragon Ball Super. On peut être sympa, je parle de moi parce que c'est surtout moi qui avais crié, mais Bois 2 aussi. Voilà, on peut aimer quand c'est bien fait. Et avec passion. Avec passion, comme la purée de mémé. Et là, c'est bien fait. Donc, on a aimé Dragon Ball Super en manga. Cette conclusion est beaucoup trop longue. Mangez des frites, likez, partagez. On a un Tipeee aussi.